Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur notre borne. Nous sommes là face à vraiment quelque chose qui est réel. Ouais, est vraiment réel. Ça, c'est le résultat des recherches d'un grand utilisateur des réseaux sociaux et de Facebook en particulier. Ce grand utilisateur témoigne que Facebook est du diable. En fait, Facebook est la propriété du diable et toutes les personnes qui s'en servent vraiment s'exposent à Satan. Quoi, sérieux? C'est ce que nous allons découvrir ici. Et cette personne est en train de donner le message aux autorités, genre pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et la chose la plus grande, c'est que cette personne a mené ses investigations et a découvert que beaucoup de faux pasteurs sont sur Facebook. Et cette personne a découvert qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur ce réseau social et des choses qui influencent parfois le comportement des gens. Cette personne n'a pas manqué de dire que sur ce réseau social, sur Facebook, là-bas en général, les sujets constructifs ne prennent pas, ne font pas le buzz. Mais, ne font pas le buzz, mais, ce sont des insultes, des injures qui sont plutôt mises en avant et vues. Et ça, c'est un signe pour cette personne. Un signe qui nous prouve que vraiment, il y a le diable derrière. Et pour cette personne, Facebook appartient aux Illuminati et a été créé pour un but vraiment bien précis qu'elle a besoin de nous détailler ici. Mes frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec ce que cette personne dit, laissez un j'aime et écrivez en commentaire pourquoi. Ok? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi, abonnez-vous, activez la cloche et nous allons découvrir ensemble vraiment ce que nous allons découvrir ici pour avancer dans la vie. Parfois, nous sommes combattus par le diable et on ne sait pas quels sont les instruments que le diable utilise. Là, nous sommes face à quelqu'un qui a décidé de nous révéler ce qu'il a vu. C'est à vous maintenant de mener vos propres investigations. Mais avant, écoutons ça. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Quand je vois les hommes de Dieu sur Facebook, j'ai mal. J'ai envie de prendre même torche même et puis les bébés. Oui, je dis la vérité, oui, j'ai la haine. Quand je vois les hommes de Dieu sur Facebook, j'ai la haine. Parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, monsieur le président. Ils sont dans le faux. Oui, Facebook, c'est Illuminati. Facebook, c'est franc-maçon. C'est pour les francs-maçons. Quand tu es dedans, tu dois faire la guerre. Facebook, c'est la guerre. J'entends souvent les gens, ils disent que non, on ne peut pas faire un sujet constructif. On ne peut pas se mettre ensemble pour déballer un sujet. Facebook, ils n'ont pas créé Facebook pour faire un sujet constructif. Si c'était dans le but. Si c'était, je dis, les blancs, quand ils faisaient Facebook là, s'ils savaient que Facebook là, c'est pour des sujets constructifs, il y a longtemps ils ont enlevé Facebook. Wow. Vous serez ensemble, vous allez faire des sujets constructifs pour venir dépasser les pays. Vous pensez qu'ils sont malades? Non, ils ont créé Facebook pour la guerre. Ça, à quoi ça? C'est pour les Illuminati. Vous avez entendu ça? Donc, on combat pourquoi sur Facebook aujourd'hui les gens s'insultent matin, midi et soir? C'est pour les Illuminati. C'est pour les Illuminati. La femme la plus bonne au monde, elle vient sur Facebook en train de faire vidéo. En troisième vidéo, elle va commencer à insulter. C'est Illuminati. C'est Illuminati. Un imam, l'imam le plus bon au monde, l'imam, il prêche dans le quartier, dans sa ville, à Bondoukou, à Bondjali, à Tchékoubé. L'imam, le grand imam, tout le monde le respecte. Il vient sur Facebook pour faire les vidéos. En trois vidéos, il va commencer à insulter les gens. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Illuminati? C'est démon? Oui, c'est démon. Est-ce que toi, tu peux aller à la mosquée et puis insulter les gens? Non. Est-ce que toi, tu peux aller à l'église? Tu es dans plein église et puis tu insultes les gens? Non. Mais sur Facebook, là, même si tu as le vrai sang de Jésus-Christ, tu viens sur Facebook, tu vas insulter les gens. Bien! C'est parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu vas dénigrer les gens. Tu vas dire ta mère qu'un jour. Tu vas dire ton mot dia un jour dans tes directs. Tu vas le dire. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est Illuminati, c'est démon, c'est diable, c'est bâtonnet, c'est franc-maçon, c'est maçonnique, c'est lui, c'est la loi, c'est l'endroit des démons.
C'est l'endroit des démons. L'endroit des démons, c'est Facebook. Ils ont créé ça pour que nous tous, nous soyons tous des démons. Ils n'ont pas créé pour qu'on arrive à se mettre ensemble pour réaliser des choses dans nos pays. Si c'était ça, là, il y a longtemps, ils ont annulé Facebook. Parce que les blancs sont bêtes. Diviser pour mieux régner. C'est ça, ils ont créé Facebook. Donc, quand quelqu'un dit Facebook là même, moi-même là, je vais faire un sujet de constitution. J'ai dit, maman, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que quand tu vas dire ton sujet pour construire, tout le monde va partir. Tout le monde va partir. Mais plus là, tu viens, tu prends ton pantalon, tu dis ta mère qu'on a toutes les femmes. Et tous, ils vont venir comme ça. Parce que c'est Illuminati. Oui, oui. C'est créé pour ça. Oui. Fais erreur. Fais erreur. Fais erreur. Appelez-vous pour dire plus de l'homme. Je mets ça dans vos oreilles tous les jours. Mais vous ne me croyez pas. Prends ton portable. Faut venir parler de comment tu as fabriqué ton portable, comment on soigne un mot de tête, comment une sage-femme peut faire pour accoucher un enfant sans que la mère ait douleur. Elle va avoir trois personnes connectées. Elle va avoir trois personnes connectées. Mais cette même femme-là, elle n'a qu'à venir placer son portable pour dire mais qu'on a tous les sales femmes, à tous les sales femmes du monde, mais qu'on, vos clitoris, la maman de ma maman, elle aura un coup comme ça, 1500 personnes connectées. Si demain elle vient encore, elle a 3000 connectées. Si après elle vient encore, elle a 10 000 connectées. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez ce que ça veut dire? Partagez le diable, partagez le diable, partagez le diable, partagez le diable, le cœur pour le diable, le cœur pour les Illuminati, le cœur pour les Illuminati. Oh les francs-maçons, nous sommes les dieux, nous sommes les dieux sur la terre, nous sommes les dieux sur la terre, nous sommes les dieux sur la terre. Partagez, 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 invitez vos amis, ils vont adhérer à la franc-maçonnerie et ils vont adorer. Nous sommes les Illuminati, nous sommes les dieux, nous sommes les plus forts du monde. C'est ce que ça veut dire. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Jesus Christ. Comme quoi, le diable n'est pas là pour nous faire plaisir. Bande de choses. Et je vois des pasteurs, ça. Oui, je vois des pasteurs. Ils disent, ils sont pasteurs. Ils parlent de Jésus. Ils sont comme ça. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Donc, devant vous, ils sont pasteurs. Mais derrière, ils adorent le diable. Oui, ils adorent le diable parce qu'il veut être le numéro 1 de Facebook. Il veut être le numéro 1. 60 000 connectés, 150 000 connectés. Oh, le diable Batomé, les Illuminati, vous êtes les rois du monde. Je vous aime. Lui, c'est moi, c'est moi. Donne-moi la richesse, donne-moi la richesse. Oh, Jésus, sa mère, les anges, les mères, le bon Dieu, sa mère. C'est Batomé qui est fort. C'est lui, les Illuminati. Vous êtes les rois du monde. Vous êtes les gni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 gn
Et les gens adorent le diable sans le savoir. Parce qu'on peut adorer aussi le diable par son comportement. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, écoutez ça encore. Hein, ton gros con? Non! Mais si Facebook, tu peux! Tu peux faire ça sur Facebook! Pourquoi? Parce que c'est Illuminati! On adore le diable sur Facebook! On adore le diable! Donc, tous les pasteurs, nos hommes religieux qui viennent sur Facebook là, ils n'ont qu'à être les vrais religieux comment. Mais à la fin là, ils deviennent tous des diables! Parce qu'ils vont prêcher ta mère con, ils vont prêcher ton maudit, ils vont prêcher la politique. Ils vont prêcher tout ce qui est négatif et surtout adorer l'argent. Ils font ça pour de l'argent, pour avoir des contacts au sommet, avoir les numéros de nos ministres, avoir les numéros de nos directeurs de société, avoir des numéros pour travailler à la télévision un jour. Hein? Mais etc., c'est ça. Donc, c'est devenu un moyen de créer des contacts, mais pas n'importe quel contact. En fait, des contacts avec des agents du diable et de grandes sociétés secrètes. Donc, sur Facebook, les gens peuvent recueillir des informations afin de les transmettre à des sociétés secrètes, des organisations ultra secrète, des organisations même du diable. Il y a tas de choses derrière tout ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas un jour, n'oubliez pas un jour, DJ Publicité de London vous a dit que Facebook là, c'est pour les maçons. Et ça, c'est sa signature. C'est sa signature. Il dit et il redit et il confirme que c'est ça et c'est ça. Il ne s'est pas trompé. Mais frère et soeur, cette personne qui parle, c'est une personne qui est déjà très connue sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est suivie par des milliers de personnes et elle a constaté tant de choses et beaucoup de choses confirment tout ce à quoi elle pensait. Donc à chaque fois quand elle a l'occasion, elle ne manque pas d'ouvrir les yeux aux gens, d'ouvrir les yeux des gens pour leur montrer le danger quand même de cette histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens puissent dire de gros mots sur les réseaux sociaux. Et ce sont des choses qui sont très répandues effectivement sur Facebook. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Moi-même, je vois ça tout le temps. Et la vidéo précédente peut confirmer. Quand vous parlez des sujets extraordinaires, des sujets simples, comme des trucs de la vie pour faire avancer les gens, la plupart des gens ne regardent pas ça. Mais ils sont plus attirés vers les choses qui font le buzz, les choses négatives, quand on parle de mort, eux, ils regardent les vidéos. Quand on parle de violence, ils sont là en train de regarder les vidéos. Quand il s'agit d'études de nudité, on dit, oh, telle personne on dit, oh, il y a une sextape qui a fuité. Dès que ces gens attendent, il y a une sextape qui a fuité, il faut les voir, ils sont en tas, ils sont chauds, ils veulent aller voir. Ils sont plus intéressés par des choses de distraction. Quand on dit, oh, il y a une telle étudiant qui a fait des exploits à son âge, il a réussi à construire un avion. Personne ne va partager cela, personne ne va aimer cela, personne ne va liker cela. Mais ils vont plutôt encourager les gens qui sont venus sur les réseaux sociaux pour se battre, pour se chamailler. Et ils aiment la suite, hein, ils aimeraient avoir la suite. Souvent, ils me disent, ah, il n'y a pas Congo ça aujourd'hui. Genre, il n'y a pas affairage aujourd'hui ou quoi. Il n'y a pas affairage ou bien il n'y a pas affairage. Genre, eux me veulent créer affairage. Ça veut dire que là, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça, nous aurons à payer de cela. Nous allons répondre de cela devant Dieu. Parce que ça influence les gens et ça influence les gens. Vraiment. C'est grave, c'est grave, c'est vrai. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de recherches et je vois que va-t-il se passer avec nos futures générations. En tout cas, les parents doivent veiller sur ce que les enfants regardent sur les réseaux sociaux.
Parce que si vous ne veillez pas sur ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux, les enfants vont aller apprendre des injures là-bas et venir mettre ça, ou de venir vous mettre cela en plein visage. Ouais. Parce que là-bas, c'est ce qui se passe. On voit des pasteurs qui utilisent vraiment de gros mots. Des pasteurs qui chiffrent les fidèles. Des pasteurs qui s'insultent, qui ont de gros mots. Des pasteurs qui sont tout le temps en train de créer le buzz, en train de créer des histoires où on ne voit pas de queue, on ne voit pas de tête. Des choses qui ne feront jamais évoluer un poussin. Vraiment, c'est grave. Et il y a des démons sur les réseaux sociaux. En général, hein, il y a des démons sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez souvent des gens, des choses du genre, oh, il y a une sextape qui a fuité, il y a une sextape qui a fuité. Ça crée quoi? Ça crée vraiment la curiosité chez vous. Vous voulez aller voir. Vous voulez vraiment aller voir. Mes frères et soeurs, je vais vous dire, si vous n'êtes pas fort d'esprit, n'y allez pas. N'allez pas voir ça. Ouais. Parce que toutes les personnes qui vont aller voir ça seront envoûtées. Vous allez aller regarder deux personnes en train de coucher ensemble. Est-ce que c'est un site X? Même sur les sites X, souvent on dit interdit au moins de 18 ans. Là-bas, là, il n'y a pas de restrictions, tout est permis. Genre, ce qui est caché dans le monde des ténèbres, c'est ce que les gens vont envoyer au grand jour sous une forme pareille, que ces gens appellent le sextape. Tout cela pourquoi? Pour corrompre les âmes, pour salir les seins, pour rendre impurs. C'est du sale en un mot. Ouais, c'est du sale. Vraiment, soyez prudents, les frères et sœurs, quand vous utilisez Internet, soyez prudents dans tous les sens possibles, quoi. Que le Saint-Esprit soit sur vous et que Dieu vous garde. Ayez l'esprit de discernement, soyez éveillés. Et ne prenez pas part à des œuvres infructueuses des ténèbres. Tout ce qui va vous distraire ou va rien vous apporter, là, n'entrez pas dans ça. Dans les discussions inutiles, les congossas, les affairages, la plaisanterie. Vraiment, il y a tas de choses, tas de choses, tas de choses. Il faut vraiment faire très attention aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous. Si vous êtes d'accord à 100%, laissez un j'aime. Et vous pouvez nous en dire plus en commentaire. C'est parti.